Ça passe, c'est Karel, ici, là, moi, dans Damien, côté que Fondation Babancourt, Guillaume Babancourt, avec Impact Foundation de James Harden, inauguré un terrain ici, là, pour les gens qui sont dans la communauté. Fondation Babancourt, un travail que l'a fait extraordinaire dans la zone, côté que l'usine, là, hier, côté que l'année passée, il a inauguré un hôpital, et là, qu'on y a, il a un terrain basketball pour les jeunes. Je vais définitivement montrer nous comment l'événement s'est passé, qu'on y a. Je m'a fait 9e année, j'ai 14 ans. Je suis fier de Babancourt parce que grâce à Babancourt, je fais plein. Je fais mes baskets en pile en pile. Et grâce à papa qui fait carrément mes baskets, parce qu'il met sous terre à maman, je dis merci à tout le monde. Non, pas c'est Lydia Destin. Je m'a fait Nestin. Moi, tellement un basket que ça fait mon cas là aujourd'hui. Merci. Salut tout le monde, je suis Aska Louis, j'ai 19 ans. Je fais finir avec l'école classique moi dans l'université. Donc, moi ici, je dis hein, parce que moi, c'est vraiment un fan du basketball. Donc, c'est Babancourt Cap et fait activité ça. Donc, moi, remercie tous les supporters qui viennent là by backup ensemble pour l'activité Sateka, Fab, la réalité et puis pour tout le monde aller là, qui est content. Donc, moi, je suis vraiment content et je remercie tout le monde. Bonjour, je suis Nelly. Je suis vraiment content d'être là. Je vous remercie beaucoup avec l'autre monde comité autour. Moi-même, je fais classe 9e. Je suis content de ce que ça a fait là. Je suis continuer plus intéressé pour l'autre tout, même j'avais. Je suis juste remercié de ce que ça a fait là. Merci. Moi, c'est Henri-Joseph Jean. Moi, c'est président de la Fédération haïtienne de basketball. Moi, je viens participer à l'événement que la Fondation Babancourt invite moi. Côté que ils ont organisé une distribution et des camps, un camp pour les jeunes dans la zone. Et je pense que son activité qui est louable et que m'inviter toute institution si est capable dans le quartier par eux pour faire style de manifestation ça pour capable aider les jeunes pour capable et montrer les jeunes le chemin du sport. Avec Oliga. C'est le basketball ça, ici là, dans Damien, un aspect artistique là donne. Bien sûr, c'est sport, mais il y a graffiti là donne. Nous regardons, nous voyons que vraiment son gros travail que Olivier fait. Et de haut, c'est un coup son mural qu'on fait. Oui, exactement. Qu'on habitué fait déjà. D'habitude, nous faisons mural, ça veut dire pour pas être devant vous, mais ça. Ça c'est le toute beauté, c'est le film. C'est le de haut. Plan de haut niveau. Justement. Et quand pile détail, c'est le de haut justement pour capable. Exactement. Donc, c'était vraiment, pour nous dire ça, c'est vraiment un processus qu'on dit que l'on fait là, c'est pour contrôler exactement son plan absurde. Oui, oui, oui. Pour oui. Contrôler exactement et proportions, etc. Oui, comme si ou pas comme si fait back. Ou pas fait back, c'est exactement ça. C'était en même temps avec toute l'équipe, les ateliers quand c'est sur. Nous avons fait, disons, 2 à 3 semaines. Pour nous exécuter ça et puis le seul bagage c'était de demander nous pour nous gagner James Harden là dedans parce que c'est un des fondateurs de Impact Foundation. Après ça, combat qui inspire les jeunes comme si
avec couleur, nous connaissons mettons pile couleur dans le travail moi d'habitude. Et c'est ton premier match, c'est la première fois pour terrain basket. OK. Mais en même temps tout c'est toujours vous connaissez tout, vous même technique et puis venez voir. Est-ce que vous avez proposé une maquette ou bien est-ce que vous avez bon libre cours à créativité? Actuellement, moi j'ai un premier collab que j'ai fait avec un porteur d'ordre, moi j'ai fait avec un artiste de New York qui c'est Elliot Gerard. OK. Et puis quand l'heure vient pour poser samedi 4. Le mal font l'autre ordine, bon tout, et c'est même ordine. Et puis quand nous venons font l'autre concept pour qui vient intégrer après comme c'est Timon. Timon là. Le débat qui rattache avec culture avec nous. Et bon c'est son projet qui est intéressant, tout le monde vraiment satisfait du résultat du winner. Et bon, elle est super bien. Yeah. Et super bien. Mais qu'on y a là dans Damien, comment ouais et que Timon a accueilli l'idée de parce que comme ça. Parce que peut-être voilà, deux, trois ou bien aux jeunes, où est la réaction? Yo, vraiment, premier feedback là, c'est que tu es vraiment impatient. Pour que tu aies fini, pour que tu aies joué sur parce que tu as tout toute l'heure fait là, parce que tu as fini là. Regardez, tu vas comprendre ce qu'a fait là tout. Tu vas comprendre ce qu'a fait là, tu vas commencer à dire, oh, abandonne là, comme ça. Et puis, comme si, tu as tout comme si tu as pas qu'à attendre pour que tu aies fini, pour que tu aies fini et tu aies. Et puis, en même temps, tout. Un genre de travail comme ça, parce que c'est son grand premier, comme c'est en Haïti. Le genre de terrain, ça va leur faire l'autre côté, comme si tout jeune de témoigner que vous inspirant. Parce que quand vous avez senti, et ça a remonté le de soir, vous avez joué sur le terrain. Pour dire que vous êtes belle comme ça, pour dire que vous retrouvez vos commandes. Tout à fait. Mon cher, bon bagage, compliment, moi, Remel. Et je suis certain que les gens qui ont regardé vous là, tout, Remel, bel travail là, et puis continuez votre travail. Merci. À l'aise, bon bagage. J'aime dire annoncé que Terrain Basketball qui est inauguré en fait en collaboration entre Fondation Bamako avec The Impact Foundation. Et là, on est moi avec Troy and Pilar. Hello. How you doing? Let me say welcome to Haiti because I know this is your first time here. What's up? Thank you for having us. It's beautiful. It's a pleasure. Actually, I really want to know how do you get involved in that project, but at first, I want you to introduce the Impact Foundation to my audience. Okay, so Impact 13 Foundation is a foundation that was started by James Harden, and we basically work with community development, youth and women empowerment, education, sports, just personal interests of James to improve society and improve the world, and we're just getting started. Great. You work with Adidas. I work with James on his business, and I work with Adidas as well. Okay, good. So now tell me, how do you guys get involved in Haiti working with the foundation, the Bamako Foundation? I'll let Troy start with that. So I have a friend, Marcus Damus, who has a company called Field by Culture. He reached out to me, and he was just like, yo, we got this project. Do you think James would want to get involved? I'm like, yo, let me know. So. Kind of broke down everything, and you know, I went back to James with it. He was like, "It's dope." I called Pilar, and now we're here. So we did all the groundwork in terms of communicating with them and figuring out what we're gonna bring here. I got Adidas involved. Mm-hmm. We supply a bunch of product, whether footwear, socks, backpacks, and then we use some of the other James's partners, Artist Sport and GoPuff, to help. Same product as well, so it's been good. Good. This is the first time working outside of the United States, or you have other projects? For the foundation, this is my first time working abroad. That's great. Yeah, you guys are first. Okay, so tell me about the event today. You definitely, of course, you were working with the foundation. Now you get to see the kids, talk to them, and give them goodies and things like that. How was the event? It was amazing. It was already so nice working with Barber & Core. They're really easy to work with, and so to actually be here physically in the presence and see the things that they helped us facilitate, it's been beautiful. The kids are really excited, especially when you see a place where there's a lot of poverty and stuff like that. It's very nice to see appreciation, but us using resources that we do have to be able to supply to people that are in need. It's been really impactful. Like you said, we got our partners involved. Outside of the Adidas and the Artist Sport, because that's specifically, you know, for the kids,
and that are in the basketball program. But GoPuff actually sent a lot of feminine hygiene products. I'm very, very proud of that. I know that in countries like Haiti, you have young girls who will miss school or things like that monthly when, you know, their menstrual comes in. It's definitely a luxury, one that I think in America is taken for granted, just the access to products like that. And so I'm very grateful for that. I think it's super impactful, and we'll continue to make donations like that throughout the year. Good. Let me. I'm gonna maybe make a wish, or because when I knew that Gems was part of this, and I was like, maybe one day he will come. Do you think it's a possibility that we can have Gems Harden here in Haiti? Maybe doing. We're not gonna close the door. I think the court is phenomenal, and I think it's something he's definitely gonna want to see. So you just never know. You know. Yeah, he's in season right now, so that's why he's not here. But I think he would love to see this place. I think something that like could happen, maybe not in the next 5 years, but hopefully sometime in the future, is just we could bring basketball to Haiti. You know, whether it's a camp or maybe if it's a game. You know, if they have the facilities and the resources to have that. Yeah. You know, in some years to come, then it could be a good opportunity, a good moment to just grow the game of basketball. It's grown so much over the last 50 years, and that's something that the NBA is trying to do in terms of like growing it globally. So this could be definitely a start. Let's cross our fingers for that. Yeah, we're excited. Yeah. Like today was good. I see that. I saw a lot of kids happy. I hope you will they come were back. Each other I, their shoes, I, you know? I hope you will come back and definitely see them. I would love that a lot. On behalf of them, I want to say thank you to you and thank you to the Impact 13 Foundation. Thank you for having us. All right. Wow. Nous tous, gens que l'inauguration a passé, si vous êtes content, distribution faite, etc. Je ne suis pas qu'à justement à faire un reportage sur l'inauguration pour ne pas parler avec Delphine. Delphine, vous êtes content avec vous? Comment vous êtes? Je suis content avec vous, oui, car elle est content avec vous. C'était jeudi. Hein? Ah oui, je suis content et nous avons fait de belles choses avec la Fondation. C'est un projet de long terme. Et on va que tu commencé en 96, mais on vision que nous avons continué pour cette zone-là. Et pour les familles dans la zone et Babakou, là. Et puis pour nous aider la communauté, give back. Qui t'aime tout, sincèrement, je viens dans le local Babakou plusieurs fois. Je ne sais pas si je connais tout l'espace derrière. Oui. Et tu as tout jeune, ça, qui t'a envie justement ça que nous votons pour eux. En pile, monde toujours parlé justement de responsabilité sociale des compagnies. Et moi, je sens que justement avec la Fondation, c'est dans la route ça que nous voulons aller. Nous inaugurions une clinique l'année dernière, qui est dans la même zone encore. Et puis, nous, en plus, juste en face. Nous pas même déplacé de l'espace côté nous hier. Oui, donc nous inaugurons une clinique, nous faisons service pédiatrie, nous faisons consultation médecine générale, ophtalmologie. Et ça, c'était le premier pilier. Donc, l'objectif, c'est obtenir une clinique médicale de certificat niveau 1, 2. Donc, on a travaillé sur ça. Ça, c'est le projet à terme. Donc, nous avons une première infrastructure. Nous travaillons avec le docteur Degan, qui aide nous dans le recrutement de médecins, infirmières, qui sont sous bord et fondation en tout. Et puis, là, nous avons un monde qui nous travaille en pile. C'est Marcus, qui est là, je dis, qui est behind the scenes. Et il me dit, ben, on a fait projet fondation. Nous voulons faire une sorte de community center, un point de ralliement. Parce que, en pile d'employés, ils vivent dans cette zone-là. Ils ont des familles, ils ont des timons, ils ont des madames. Et bon, nous-mêmes, nous avons une infirmerie, nous avons un support, mais peut-être que reste famille en tout besoin de support. Et puis, l'autre monde qui est dans la communauté. Donc, nous avons commencé avec le projet d'intérêt basketball. Nous avons continué, nous avons l'autre projet. Nous avons fait un appel d'offres aussi pour qui je nous a fait aménagement terrain. Le football là, football qu'est-ce que oui. Et terrain même en vos fondations. Ok. Moi, et nous avons gardé de paysagisme et peut-être faire un parc pour tout le monde. Et donc c'est l'idée que. Après son maison finalement. Oui, nous avons essayé de faire. Et dans la mesure de nos capacités, c'est-à-dire que chaque année, nous avons ajouté, et selon le budget, nous avons gagné nous, nous avons fait un travail pour zone là au fur et à mesure. Tout à fait. Je veux dire, c'était pour terrain basketball là. Exactement. Et moi, et gens que Timoun est content dans la zone là. Moi, en plus, et puisque nous avons parlé de
Mais Bamako la plaine, on va dire. Moi, j'ai des nègres qui sortent, des jeunes garçons qui sortent bien loin et puis tellement content que le terrain ça là, que vous jouez la donne avec standard, que le gain et environnement sécurisé que vous capable jouer la donne. Exactement. Donc, l'idée aussi, c'est de bailler Timounio en environnement sécurisé côté vous jouez. Donc, c'est un terrain qui est souterrain et propriété fondation. Donc, il est totalement sécurisé où il y a gain et. Oui, tout bail encadré et bah et nous bail aussi n'a bail cours et nous t'inviter mon fédération basketball dans tout et pour ouais qui gens nous ca joindre talent aussi parce que peut-être que gain talent nous ca joindre le pays à tout monsieur dame impact team le pays prochain star NBA on t'a bien aimé ça on t'a bien aimé ça exactement donc c'est vision pour gagner et puis aussi là où tu n'as pas joué basketball les banan la rue ap, et oui penser à gaz, la bagaille et ouais, puis ouais, ou bien subir une autre influence exactement subir mauvaise influence etc. Donc c'est un bagage important aussi me penser pour le développement pays hein. Définitivement et même ouais moi en tant que monde bon et me fais sport tous les jours quasiment tous les jours parce que c'est un bagage pour santé mentale et qui est important surtout quand là nous vivons dans un pays qui gagne pile stress Voilà. Définitivement. Année 1960 ans. Oui. Ma maman doit annoncer. Ah, quoi, il y a un pile bagage. Mais justement, tu as rêvé que ou bon on tease. Ok. C'est comment on peut peut-être vous voulez célébrer 1960 ans. Nous pouvons faire et beaucoup de choses pour bridge the gap, je veux dire. Donc, et c'est pour ça que je travaille puis là avec Marcus, je bien aimé et travailler avec elle parce que c'est un monde qui comprend une vision que et gain Haïti et gain international et c'est pour nous capable mêler tous deux. Et donc on a commencé n'a et nous t'ai gain une campagne nous t'ai fait avec Boxland et nous pour continuer avec des campagnes sur le meilleur d'Haïti pour le monde. Ouais, voilà. Et à travers Barbaco et promouvoir une image positive d'Haïti. Voilà, avec le produit et tout. Et on a une bonne réputation dans le milieu des vins, des spiritueux. Et je pense que ça peut être très, très positif et dans un autre sens. C'est aussi de monter la partie responsable d'Haïti parce qu'il n'y a pas que du négatif en Haïti. Même si ces jours-ci, ça peut être un peu plus difficile que d'habitude. Et c'est exactement ça c'est exactement ça qui fait moi extrêmement intéressé par ça que l'on fait. Parce que très souvent, tout le monde pense que personne ne va faire rien ou du moins, compagnie profiter fait quoi pendant une période ça et ou pas bail communautaire. Et mais c'est pour ça que l'on fait moi extrêmement intéressé. Nous t'as aimé, par exemple, ouais, l'autre compagnie dans la zone là. Give back too. Oui, yo ta relé me dit OK, on va faire tel bagage, on met tête nous ensemble, nous va faire un gros projet et puis ouais, l'a soulager un pile monde dans zone là parce que par exemple nous fait des petits bagages comme et des fois nous gagne en rotation chaque mois, nous prend et on série de saisonniers dans zone là qui pas gain emploi, monde qui cherche travail et puis nous ba yo petit job et nous ca joindre. Mais bon, il n'est pas tout le temps, mais il n'est pas assez pour un monde qui a, comment dire, un emploi stable. Mais c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien. Voilà, exactement. Donc, nous essayons d'impliquer et tête nous dans le procès avec eux. Mais nous avons aimé ça souvent plus gros échelle. Justement. Voilà. Et au besoin de l'autre bras qui pourrait aider, ou même bien fondation et impact. Mais il est capable, tout petit, je dis à un terrain de basketball, c'est pas en gros surface liée. Et nous travaillons avec des gens qui étaient contents, ils bail nous tennis, ils bail sac à dos, tout le bagage. Nous baillons gratis, kit hygiénique pour jeunes filles, parce qu'il y a des petits gens qui parlent. Il y a des filles qui parlent à l'école, là ils ont des règles parce qu'ils ne sont pas capables. Donc, tout le bagage, c'est des bagages qui sont importants. Et c'est des produits de qualité en plus que nous. Exactement, donc, exactement. Ça, important. Et puis, bon, après ça, nous pouvons distribuer un peu de bagages à travers fondation, pédiatrie, et des bagages pour bébés, nous. Donc, c'est des bagages que tout le monde a fait, je pense.
tout à fait. Delphine, moi, extrêmement content. Ça, moi, je dis, hein, parce que j'ai des témoignages, j'aime tout là. Mon équipe Timoun qui vient me parler avec eux. Moi, j'ai justement le président de la fédération tout parler avec moi. Oui. Le fait que nous involvons en pile ressources locales là-dedans qui parlent utile dans la zone. Oui. Et ouais, j'ai que mon équipe campé sur deux rangs, même si vous n'avez pas venu pour t'a regarder ça qu'a fait là et apprécier. Oui, ça c'est fait vrai. Vraiment fait un plaisir. Merci. Compliments et puis. Merci, et continue mais avec mon c'est un plaisir. Ça, et puis. C'est pas un leadership seulement, c'est une équipe. Mm-hmm. Et je toujours dis ça. Et il y a plein de monde qui travaille. Et nous avons une équipe solide. Et qui comprend une vision. Qui comprend une vision et qui est engagée. Je dis, il y a des gens, ce n'est même pas le département. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de ça. Et puis, il y a venu, il y a cherché ça, il y a souliers, il y a aidé les gens, il y a mettre tes chaussures, etc. Et c'est ça, nous avons vraiment un bon esprit d'équipe et je pense que c'est ça pour nous qu'aimer tout. Définition. D'accord. Voilà. Alors, je vais jouer à 60 ans, 160 ans déjà? Pas encore, mars, mars. Ok, bien, n'a pas tourné pour mars. En France, pas de problème. Merci et compliment. Merci, Karel. Parfait. Merci. Good. Il y a une chose qui toujours intéressée, c'est chercher des choses qui sont capables d'inspirer les gens. Et je crois que ça fait aujourd'hui, dans Damien, dans le local Fondation Babankou, a inspiré mon pile. Il y a une compagnie qui a décidé de bailler à la communauté. Et on réalise que ce n'est pas même un pile de choses, ce n'est pas trop de ressources qui mobilisent pour ça. C'est juste son pensée, je veux un partenaire qui correct, qui remet vision et qui applique et implique dans ce qu'il a fait là. Moi, content de voir Simon qui a recevoir. Cadeau que vous avez joué, vous jouez basketball dans la zone, qui était extrêmement content que vous êtes capable de jouer dans le terrain. Et bien sûr, parler avec Delphine qui a annoncé plusieurs autres projets encore pour changer la zone côté que la compagnie lui-même lié. Je pense que si toute compagnie dans le pays a été fait comme ça, il est extrêmement intéressant. De content, moi, Karel, présenter une petite vidéo ça et puis, on a pour un autre pour montrer l'autre monde, l'autre compagnie qui a fait des bagages positifs dans le pays d'Haïti, sous bout de terre, Papa Desalines.